Donc il y a deux pièces qui frottent l'une sur l'autre. Donc deux pièces d'usure, bien entendu, et qui sont, à mon avis, mal fabriquées. Et donc qui s'usent, qui libèrent des choses, des poussières très fines dans l'atmosphère. Parfois plus grosses, on retrouve carrément des copeaux de ces disques sur le dessus de la machine. Et on retrouve aussi des choses dans le plasma. Pour moi, l'entreprise est malhonnête. Elle ment à ses clients dans le cadre d'un marché public et de santé publique avec un risque sanitaire qui est non négligeable, la possibilité d'intoxiquer les patients et les donneurs avec ces particules. Donc pour moi, c'est éthiquement inacceptable.